Salut tout le monde, aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je suis trop tente de faire parce que j'ai reçu mon colis Kramer et donc, oups, le voici. Donc c'est un colis plutôt imposant et lourd, parce que peut-être que vous allez voir, mais genre j'ai mon bras doublé de volume parce que je me suis fait piquer par un insecte. Bref, il est un peu défoncé, je vous avoue que j'étais là genre, ah ok, je ne sais pas où c'est pour jouer. On est vraiment sur découverte de colis. Oula. Donc les délais, ça a été plutôt court. J'ai commandé ça le dimanche et j'ai reçu ça le samedi d'après. Sauf que je n'étais pas là le samedi. Donc là on est lundi. Et je viens d'aller chercher. Aïe. Donc voilà. Qu'est-ce que ce bordel? Oh merde. Je suis pas du tout vers le bon endroit. C'est génial. Oh, je viens d'arracher un truc et pourtant. Ok, donc le colis est ouvert. Je vais bien galérer à vous montrer. Voilà comment ça se présente. C'est des bulles. Voilà. Pour l'instant. Oh, le scotch. Oula, oh là là, qu'est-ce que c'est tout le bordel? Des petits papiers, de la paperasse. Alors. Donc nickel, j'ai commandé 6 choses il me semble. Waouh. Donc tout d'abord j'avais commandé le catalogue, donc il était gratuit, et moi je me suis dit autant le prendre, comme ça je vais pouvoir faire du petit shopping. Voilà, on s'en balèque, c'est pas le plus important. Donc alors, il y a une connerie que j'ai acheté, c'est ça. J'ai acheté des chaussons parce que les miens sont absolument défoncés, donc comment vous dire, que plus défoncé que ça, tu meurs. Donc, j'ai craqué en prenant la boule. Donc, je passe pour une gamine de 12 ans, mais il n'y a pas de souci. C'est bien, ça fait pas trop de bruit, ça va. Hop, oh mon dieu, la douceur du truc. Par contre, on dirait vraiment des chaussons en carton. Genre, c'est. Vous me lâchez pas au bout de 2 jours. Hein. Merci, je vous ai pas payé 12 balles pour rien. Hein. J'ai pris en M, je crois que c'est 38-39 le M. Ensuite, j'ai acheté des friandises parce qu'il fallait que je refasse mon stock. Donc j'ai pris des friandises Original Land Moule, donc c'est la marque vraiment genre qui vend vachement sur Kramer. Et donc j'ai testé à la banane, donc c'est des petits bâtonnets. Si vous voulez acheter des friandises, je vous conseille sur Kramer parce qu'il y a plein de goûts et ils sont vachement moins chers que Decathlon. Donc 1 kg à Decathlon ça doit être 4€ et ici et là-bas, enfin sur Kramer c'est 3€ donc. Voilà, c'est une tradition. Ensuite, j'ai acheté d'autres friandises. Cette fois-ci, j'ai voulu tester un truc. C'est des étoiles au sureau. Sureau et églantine, voilà. Donc, c'est des étoiles. Donc, il y a moins, il y a 60 grammes, 600 grammes. Voilà, donc pareil, de la même marque, Original Land Moule. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais je trouvais ça mignon, donc je l'ai pris. Ensuite, on va passer à la tenue de concours. Parce que j'ai quand même fait une commande Kramer à la base pour ma tenue de concours. Donc, j'ai acheté un nouveau polo. Yes. On va voir ça tout de suite. Juste trop beau. Genre j'aime trop les petits détails qu'il y a dans le col et le fait que ce soit une fermeture pour ouvrir, pour le mettre. Donc c'est un polo Felix Buller, donc qui va coûter 20€ il me semble, collerie comme ça. Donc voilà. Enfin voilà, c'est un polo blanc en concours. Il est simple mais il est beau. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et donc pour finir, la plus grosse pièce de cette collection, de ce colis. Donc c'est vraiment la base de ce colis, c'est vraiment ce que je devais acheter à la base, mais j'ai acheté plein d'autres trucs avec. Donc c'est un pantalon d'équitation blanc. Voilà. Toujours Felix Buller, parce que je le trouvais hyper beau, c'est de la nouvelle collection. Hello. Ça part en bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà un peu le pantalon. Ah, je me suis cassé un ongle. Voilà le pantalon en couleur simple, je le trouvais juste trop beau sur le site, j'étais fan de lui. Donc j'ai dit, c'est vraiment vu que je veux. Voilà, il y a des petits détails, donc c'est un Felix Buller. Il y a des petits détails bleu, blanc, enfin, et bordeaux, je trouvais ça trop beau. Il y a une petite fermeture, donc Felix Buller ici. Il y a des pourtours. La couture est grise. Donc pareil, petit détail sur le derrière. Et donc le derrière est anti-dérapant, donc en fait c'est vraiment genre une matière. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, vous n'allez rien voir du tout. Là, on voit bien. Vous voyez, genre il y a plein de petits points et c'est anti-dérapant en gros, c'est plutôt cool. Et surtout, il n'y a pas de scratch.
en bas, ce qui est plutôt cool. C'est des passants, donc c'est trop bien. Donc voilà, je l'ai pris en 34 parce que c'est les tailles, vous savez, les tailles américaines, ou allemandes, comme vous voulez. Donc t'avais un 36 français. Donc voilà, hâte de l'essayer, de le tester. Il m'a coûté 89,90€, donc 90€ en gros. Voilà, enfin, je vous mettrai tout. Et donc je suis trop contente. Donc voilà, donc j'en avais pour 127€ et quelques, et j'ai eu 4,99€ de réduction parce que ma veste de concours vient de Kramer et j'avais un moins de réduction quand je l'avais acheté, enfin quand ma marraine me l'avait acheté. Du coup j'en ai pour 122€ et quelques, donc je rembourse mon papa pour tout le reste. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de vidéo. Donc j'espère que je l'ai bien fait, que ça vous aura plu et que j'ai donné assez de détails. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!